Bonjour tout le monde. Je m'appelle Daniel Boucher et bienvenue à la CATI, à CRFRH 88.1 et 106.7. Nos invités ce soir sont Michel Bouchard, Richard Harvey, Joanne Brissette, Rock Matt et Sébastien Mallette. Vous êtes invités ici parce que vous êtes aux avant-gardes des affaires métiers dans l'Est du Canada. Ça fait qu'on va commencer avec quelques questions et pour voir si votre bio en premier. Chacun de vous, on va commencer par Michel, Joanne, Richard, Rock et Sébastien. OK, Michel, c'est à ton tour. Merci, c'est Michel Bouchard. Je suis professeur d'anthropologie à l'Université du Nord de la Colombie-Britannique. Je suis originaire moi-même du Nord de l'Alberta, donc franco-albertain de souche. Je suis avec Sébastien et on a écrit trois différentes versions, Songs from the River, suivi par Les Bois brûlés de l'Outaouais. Et maintenant, la nouvelle version anglaise de Bois brûlés est sortie avec les presses de UBC Press. Il y a un autre livre qui va sortir cet automne. OK. Joanne, à ton tour. Bonjour, je suis Joanne Brissette, je suis métisse d'Achico. Nous sommes une communauté dans Lanaudière au Québec. Professionnellement, je suis planificateur financier et moi, j'ai pris la relève de mon père au sujet des mémoires de notre région. Très bien. Richard, ton tour. Oui, oui. Bon, Richard Harvey, je suis président et leader d'une communauté au lac Saint-Jean. C'est un peu au nord, si tu veux, du Saguenay, là. Une communauté métisse affiliée à l'Alliance autochtone du Québec. Puis, donc, je me revendique de l'identité métisse et je suis particulièrement fier de participer à cette émission aujourd'hui, en l'occurrence, en compagnie de deux des trois auteurs qui ont été primés par The Federation of the Humanities and Social Science de Colombie-Britannique. Ils ont gagné un prix émérite. Le prix du Canada pour leur livre « Les bois brûlés d'Outaouais ». C'est vraiment fantastique. C'est vraiment une réalisation extraordinaire. Puis, je vous félicite. Puis, en même temps, je suis content et fier de voir que au niveau académique, avec un professionnalisme aussi appointé, que vous soyez arrivé à ce niveau-là. Ça nous change un peu là, de l'obscurantisme des Leroux et compagnie. Ça nous fait voir l'avenir avec sérénité puis avec un certain optimisme aussi. Merci beaucoup, encore une fois. Très bien. Rock, c'est à ton tour. Rock, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation, Daniel. Dans la même voie que mon collègue Richard, je tiens à féliciter personnellement le travail qui a été fait, le très gros travail des trois auteurs pour le cadeau qu'ils ont fait avec ce volume. Donc, pour beaucoup, c'est une œuvre fantastique. Moi, je dois avouer que c'est, comme on dit en anglais, « long overdue ». Je pense que le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est de dire que on est capable, ça fait partie de notre histoire. Parce que moi, je suis un métis originaire de l'Abitibi. Donc, Maniwaki, c'est pas loin de mon patelin, c'est le territoire voisin. Et puis, c'est le volume raconte beaucoup de l'histoire orale avec laquelle on a vécu. Quand on est capable s'identifier dans le livre, ben, moi je me dis que vous devriez vous mettre à la tâche pour écrire un livre dans chaque région du Québec parce qu'on est partout. Donc, à vous le défi. Merci beaucoup. Entre autres, au point de vue carrière, je suis un avocat à la retraite. J'ai étudié les communications sciences politiques à l'Université d'Ottawa.
en plus d'un bac en administration à l'Université du Québec. Ensuite, j'ai travaillé au niveau des communautés autochtones à travers le Canada. Et puis, je suis un des porte-parole de la Nation métisse au Québec. Et puis, ça va brasser. OK, c'est donc, bon. Donc, à vous la parole. Merci, merci. Alors, on va commencer la première question. Et quels sont vos avis et les sujets, sur le sujet le plus important pour les métis de l'Est, de l'Ontario, le Québec et l'Est du pays, et que les métis doivent discuter? On va commencer par Michel. Donc, la question, bien sûr, c'est toujours la question, c'est à la fois le juridique. On connaît bien, donc on sait que même s'il y a des acquis, le gouvernement fédéral et les provinces veulent toujours revenir. Donc, ça, c'est une partie. Je ne suis pas avocat, ben, je suis chercheur. Je pense que, d'une certaine façon, le travail que j'ai fait avec Sébastien, Guillaume et tant d'autres aussi, c'est de... C'est pour les communautés qui n'ont pas nécessairement les sous pour payer les experts conseils, c'est de donner les moyens d'aller chercher la main-d'œuvre des universitaires, des étudiants, j'espère plus d'étudiants à la maîtrise, au doctorat, des postdoctorants, avec des sources de financement pour continuer à faire la recherche. Petit à petit, d'aller chercher, raconter cette histoire à travers à la fois l'Est du Canada, du Québec, des maritimes, puis aller à faire d'une façon ouverte, transparente, sans avoir des préjugés, puis juste regarder quels sont les faits, regarder les faits et ce qui se fait dans la recherche et essayer de trouver des nouvelles façons de voir et revoir ce qui s'est passé et ce qui se passe. OK, merci. Joanne, au tour. Pour moi, ce qui est important, c'est le concept de la réciprocité. Moi, chez moi, mon conjoint vient d'une communauté métisse historique de Sainte-Rose-du-Lac au Manitoba. Arrivant ici au Québec, étant donné qu'aucun métis est reconnu au Québec, je peux pas pratiquer la réciprocité envers les autres métis parce qu'on n'est pas reconnu ici. Puis c'est problématique pour moi parce que venant de souches de voyageurs qui ont vraiment tissé les liens du Canada qu'on connaît aujourd'hui, de ne pas pouvoir pratiquer la réciprocité intercommunautaire, pour moi, ça me touche beaucoup. Puis j'aimerais pouvoir dire qu'on est bienvenu n'importe où et puis que moi, je peux souhaiter la bienvenue de n'importe quel autre métis au travers du Canada. Très bien, merci. Richard, ton opinion là-dessus? Oui, bon, bien moi, je pense que pour les métis de l'Est du pays, si on fait une comparaison puis qu'on les oppose avec ceux de l'Ouest ou ceux de la Rivière-Rouge ou ceux qui sont tellement, c'est-à-dire les métis de la Saskatchewan, du clan Chartan, etc., je pense que pour les métis de l'Est du Québec, ce qui est important dans un futur quand même très rapproché. Il faut que c'est presque devenu une urgence. Il va falloir que, un peu comme Joanne le mentionnait, avoir cette réciprocité. Pour avoir une réciprocité, il faut absolument qu'il y ait un lien qui soit tissé entre les métis de l'Est et les métis du Québec. Entre les métis eux-mêmes, puis entre aussi les organisations qui représentent ces métis-là. Pour ce faire, il faut commencer par d'abord nos organisations, évidemment. Pour arriver à cette chose, il va falloir mettre un peu de côté les chicanes. Les chicanes qu'il y a entre les groupes. On voit très bien dans l'Ouest ce qui s'est passé suite à par exemple, à l'arrêt parlé, suite aux demandes et aux nombreuses causes qui ont été portées en cours sur le système juridique colonial puis qui n'ont jamais porté fruit à rien pendant tout. Il va falloir, pour arriver à se comprendre, mettre de côté ces chicanes, mettre de côté aussi les particularités pour se concentrer sur une chose. Ce qui nous unit, c'est-à-dire le particularisme de l'identité métisse dans l'Est du pays. Il y a des choses qui sont similaires quand on lit les œuvres de M. Bouchard, de M. Mallette et M. Marcotte, quand on lit les livres, quand on lit leurs écrits, quand on lit leurs thèses,
On voit très bien que ça transparaît, cette similitude. C'est pas pareil. Les niches environnementales sont différentes. Mais il y a une similitude. La trame est la même. Quand on voit très bien, par exemple, la traite des fourrures, qu'est-ce que ça l'a impliqué? Moi, je vois trois grandes voies. On peut me contredire. J'en ai sûrement échappé des bouts, mais je vois trois grandes voies, celle de l'Outaoua, celle du Saint-Maurice et celle du Saguenay, qui convergent tous vers le même endroit, c'est-à-dire une espèce d'échange qui se faisait avec le nord de la compagnie de la baie du Tisson, les gens qui trafiquaient avec la baie du Tisson et les autochtones du coin. Bon. Mais pour ça, il faut absolument arriver à aller au-delà de nos particularités, à savoir, moi, je joue du violon de la main droite, puis si l'autre, sa gang, il joue du violon de la main gauche, c'est pas un métis. Moi, je me semble qu'à un moment donné, là, si on s'attarde sur des trucs comme ça, on perd notre temps royalement. Et on a fini, heureusement, je pense, de s'abstenir et de se contraindre à une aussi petite façon de voir les choses, surtout quand on lit les œuvres de M. Mallette et Bouchard et Marcotte, qui sont vraiment au niveau... qui sont très... Quand je dis actuel, là, je vous dis, moi, j'ai des contacts avec la jeunesse autochtone. C'est vraiment des réfractaires à la situation du statu quo actuellement. C'est vraiment des réfractaires. Je ne pensais pas que ça existait. Mais on les entend protester, puis protester pour des bonnes raisons. OK, c'est bon. Rock, continue. Je pense qu'on est arrivé à un tournant où il va falloir qu'on commence à agir de façon logique. Donc, c'est une rencontre au niveau familial, toutes les métisses sur le territoire du Québec. À un moment donné, on va voir qu'on ait une très, très bonne discussion et puis d'avoir une vision. Comme le vieil adage dit à un moment donné, on va régler ça en famille dans un endroit. Et puis trouver, discuter du futur des métis au Québec. En arriver à une force unie, une force unique, qui va aller de l'avant avec un agenda très établi. Parce qu'on a du chemin à rattraper, comme j'en ai fait mention un petit peu avant. Bon, M. Mallette, M. Bouchard, vous avez votre agenda déjà planifié. Il faut que vous voyagez dans toutes les régions du Québec le plus tôt possible. Hier, si c'est possible. Et je suis sûr que Richard va contribuer à la connaissance du peuple métis de sa région, ainsi que Joanne. On a beaucoup d'histoires à vous raconter. Bon, c'est beau. L'histoire orale est très, très, très importante. Un rendez-vous avec tous les métis et tous ceux qui se disent aussi « leader », on met nos chicanes de côté, puis on s'en va de l'avant. C'est bon. Et puis, c'est on bon. Commence à demander des comptes à ceux qui nous doivent des comptes. Parce que la facture va falloir qu'elle se paye. Oui. Correct. Sébastien, je m'excuse, on t'a oublié durant le commencement du bio. Ça fait que Sébastien, ton bio, puis continue avec la question. Mais merci, Daniel. Merci beaucoup, Roch, Richard, Joanne, Michel, d'être ensemble. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis, pour faire ça bref, je suis professeur de droit et d'études légales à l'Université Carleton à Ottawa. Je suis un des co-auteurs du livre « Les bois brûlés de l'Outaouais » qui vient de se mériter le prix du Canada tel qu'il est discuté. Donc, on est très fiers, très contents. On a fait ça en travail d'équipe avec la communauté et avec le soutien de tous les métis. Je suis très heureux de voir tout le monde ici autour de la table ce soir et tous parmi nous, spécialement des gens que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Donc, merci, Roch, Charles, Joanne, Michel et toi, Dan, d'être ici. Donc, pour répondre à ta question, écoute, moi, je crois que je résume un petit peu les thèmes que tout le monde a dit. Je pense que c'est de la sagesse qu'on échange entre nous. Puis oui, c'est vrai qu'on a besoin de se rencontrer puis de revivre nos liens de solidarité puis de réciprocité. Moi, je parlerais d'unité. On a absolument besoin, sur le plan d'être un métis canadien-français, parce que moi, je suis un métis. Donc, si on me parle en métis, oui, j'ai envie d'une meilleure unité
J'ai envie qu'on connaisse l'histoire aussi. J'ai envie qu'on connaisse la vérité et les faits sur ce qui s'est passé au niveau de l'histoire métisse dans l'Est, mais partout au pays également, incluant aux États-Unis, mais tout spécialement dans l'Est, au Québec, dans les provinces de l'Est. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire qu'on se doit de célébrer. Je pense que c'est une situation qu'on a besoin d'entamer. Le juridique puis le politique, on en parlera un petit peu plus, je crois, dans tes questions, mais je crois que c'est très important également. Bon, pourquoi le juridique? Bien, parce que ça semble être la seule voie pour les peuples autochtones du Canada, malheureusement, de se faire entendre devant parfois des murs politiques et du mutisme, spécialement au Québec aujourd'hui, où encore une fois, les Métis ne sont pas reconnus parmi les peuples autochtones au Québec. Pour moi, c'est très problématique. Mais également le politique, et ça, c'est s'adresser aux politiques, mais aussi peut-être en tant que Métis, se constituer politiquement de façon plus efficace. Bon, évidemment, si on me demande en tant que chercheur, mes intérêts sont un peu plus axés vers la recherche, les archives, les mémoires orales, travailler avec les communautés et pour les communautés pour être capable de tisser, dans le fond, cette connaissance-là qui va être objective, impartiale, scientifique et robuste pour que les communautés puissent et les futures générations être fiers de leurs origines métisses, de leur histoire, de leur passé, mais également de leur futur. C'est beau, c'est beau. On va continuer avec notre prochaine question et on va voir où ça va nous diriger. Il semble que depuis quelques années, il y a une émergence de nombreuses associations de métis au Québec et dans l'Est du pays. Comment vous expliquez ça? Et est-ce que vous trouvez cela bon ou mauvais? Ou y a-t-il le même intérêt ou but et objectif dans chaque organisation? Michel, on va commencer par toi encore. Oui, je dois avouer bien sûr que je ne suis pas métisse, donc je sais pas rentrer autant dans plus ou moins la question des organisations, mais je pense à un certain niveau, c'est tant que disons, un membre de un président du Cercle des Canadiens français c'est Prince-Charles, je pense que lorsque tu essaies d'organiser une communauté, tu essaies de répondre aux besoins de la communauté, et si tu ne réponds pas aux besoins de la communauté, bien, on va avoir des nouvelles organisations qui vont se créer. Alors, si tu ne te vois pas d'une organisation, d'une association, si cette organisation ne s'intéresse pas, se préoccupe pas à tes besoins, à tes intérêts, à ce qui est important pour toi, puis tes enfants, puis tes petits-enfants, bien, à ce moment-là, les gens vont s'organiser. Donc, pour que ce soit bien ou pour mal, je pense qu'il y a certainement... si on voit cette éclosion, il y a certainement une raison derrière, c'est qu'on n'a pas été assez large pour plusieurs raisons, pour plusieurs politiques, mais c'est, je pense qu'on ne pouvait pas, on ne voulait pas ou on a choisi de ne pas répondre aux besoins de la communauté plus large. Donc, c'est certainement, s'il y a eu une éclosion de différentes associations, organisations, je dirais que dans mon expérience, c'est parce qu'il y avait un besoin qui s'est paru, qui s'est organisé dans la communauté. OK, merci beaucoup. Joanne? Ton opinion là-dessus? La plupart des organisations, là, je vais vous parler en tant que la seule femme qui est ici ce soir. La plupart des organismes ont été organisés par des hommes, pour les hommes. Et ce que moi, j'entends des gens, c'est qu'ils veulent des organisations pas nécessairement politiques, peut-être avec un volet politique, mais surtout axées sur le développement et la pratique de la culture. Hein? Et c'est là, je pense, qu'on est laissé comme à nous-mêmes, où tout le monde se bat pour la reconnaissance, mais on laisse de côté peut-être les sujets qui sont peut-être considérés moins importants, mais qui sont une partie intégrale de notre culture. C'est-à-dire la pratique de notre culture, c'est-à-dire les cours de ceinture fléchée. Je pense à justement la transmission de la fabrication des copes pour boire de l'eau. Je pense à un paquet d'événements. Mais on est tellement axé, puis je dis pas que c'est bien ou c'est mal. On est juste tellement axé en ce moment-ci à être reconnu, puis étant donné qu'on n'est pas reconnu, on est comme dans une chambre d'écho où ce que c'est juste là-dessus qu'on parle et on n'avance pas. Alors, c'est à ce niveau-là, moi, je pense qu'il manque dans toutes les organisations. Tout le monde veut être le prochain chef,
Moi, chez nous, il n'y en avait pas de chef. Il y avait juste du monde qui faisait du livrage. Tu sais, tout le monde prêtait main forte pour organiser que ce soit un souper, un party de cuisine. Je sais pas, des arts ou quelque chose, n'importe quoi. Mais tout le monde veut être chef. Puis c'est bien plate parce que on a besoin de ces activités-là. Pour toi, c'est la culture, c'est ça que tu dis. Bien, écoute, sans la culture, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Oui. Sans la culture, sans la langue, ça sert à quoi d'être métisse? C'est-tu être métisse pour aller chercher de l'argent, pour aller chercher des octrois, pour aller chercher des bourses d'études? Ben non, je pense que c'est plus que ça. Oui, je pense que c'est plus que ça. Moi, je poserais même une question. Si c'était de dire, bon, ben on s'envoie vers la gouvernance autochtone, j'ai posé cette question-là, ben pourquoi est-ce qu'on ne payera pas nos taxes à un organisme autochtone plutôt qu'à un organisme colonial, ce qu'on fait présentement, pour justement avoir ces fonds-là pour pouvoir continuer à pratiquer notre culture, que ce soit les récoltes, que ce soit le tissage à la main, du fléché, whatever, là. Oh oui. Mais, je pose toujours la question, moi. Oui. OK, je te remercie. Oui. On prend une pause de 45 secondes, puis on en revient.